Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là, on 1, 2, 3, on se retrouve pour faire une petite carte un petit peu originale. Alors, moi, là, je vais utiliser des dice cuts, mais on peut faire la même chose avec des stickers. Voilà, si vous avez des stickers, donc ça peut vous donner une astuce, en fait, pour faire une carte, j'allais dire une jolie carte. Attendez, on n'a pas encore fait la carte, peut-être qu'elle sera jolie, mais voilà, ça peut vous donner une astuce pour faire des petites cartes bien sympas avec toutes ces planches-là qu'on peut avoir, des choses comme ça, ou des stickers ou autres, ou des fois on ne sait pas quoi, comme moi, voilà, pas trop quoi en faire. Et du coup, eh ben, écoutez, je vais utiliser ces planches-là que Chantal m'avait mis dans le calendrier d'avant, on va y arriver. Et je vais utiliser du coup des petites chutes de papier rouge que j'ai comme ceci. Voilà, pour faire le tour. Et après, au niveau de la base de cartes, je ne sais pas encore ce que combien je vais utiliser. Alors, le but du jeu, en fait, ça, voilà, c'est on va faire en fait un patchwork. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que je vais prendre une base de cartes qui va être grande parce que vous voyez, moi, mes dice cuts comme ceci mesurent. Alors, je vais vous dire ça de suite. Alors, il mesure presque 7 cm. Donc, je pense que si je veux une bonne longueur, ou alors si je mets un comme ça, on va dire, et un comme ça, voilà, qui mesure. Ouais, ça devrait aller sur cette base de carte-là. Voilà, ça fait 3 en ayant après un petit peu les bords. Donc, je vais voir après pour la base de carte. Je vais déjà voir. Ouais, là, c'est pas étudié, mais voilà, je vais vous montrer. En fait, c'est suivant ce que vous allez utiliser. Vous voyez, là, ça fait un peu plus de 3. Et là, j'ai un peu. Ouais, là, j'ai 6,8. Sur 2. Et là, un peu plus de 3 aussi. Forcément, c'est un carré, Betty. Donc, du coup, on va dire 7 et 3. Ouais, ça fait 3,5, ça fait 11. Et là, ma base que j'ai en chute, elle fait 11. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Alors, le but du jeu, ça va être de faire des petits matages. D'accord? Avec le papier. Donc, moi, je ne sais pas si je vais faire directement en mesurant. Vous voyez, là, ça fait 7, ouais, je vous ai dit 8 tout à l'heure sur 2 cm à peine. Donc, 7, je ne vais pas y arriver encore une fois aujourd'hui. Non, 6,8. Donc, si je fais 7 sur 2 et demi, ça me donne quoi? Parce que je veux pas un matage plus gros d'un côté, plus gros de l'autre. Donc vous voyez, le but du jeu, ça va être de couper en fait des petits bouts de papier comme ceci. Et je pense que je vais rafistoler. Et les coller tout simplement sur vos petits morceaux que vous avez choisis. D'accord? Donc moi, comme je disais l'autre fois, j'ai pas un bon coup de ciseau, donc j'espère que ça va rendre bien. Je crois que j'ai mis un peu trop de colle pour celui-là. Voilà, donc le but du jeu, c'est que vous allez choisir vos papiers, enfin vos petits dice cuts ou des autocollants, hein. Un petit peu comme nous a fait l'autre fois. J'ai ma colle, je sais pas ce qu'elle a. Elle a trop coulé. Pourtant, j'ai pas appuyé dessus. Voilà. Après, je redécouperai un petit peu. Voilà. Donc là, vous allez prendre vos papiers. Donc, je vais en prendre de plusieurs sortes. Et ensuite, on va se faire un petit patchwork, tout simplement. Voilà, en espérant que ça rentre bien. Après, au niveau de la longueur, je vais essayer que ça fasse 15 cm.
Donc moi j'ai pris un fond rouge parce que bah, c'est ce que j'ai en. Pas grave, celui-là, je vais le faire au ciseau. Je sais pas ce qui s'est passé avec ma colle. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. Donc, c'est pas réellement un tuto, mais voilà, c'est pour vous montrer en fait, comme je vous ai dit, ce que vous pouvez faire avec votre. Alors, après, si on a le temps, si j'ai pas mis trop longtemps à faire mon petit truc là, on essaiera de voir. Avec des stickers. J'en ai cherché, il me semblait que j'en avais. Avec des stickers. Mais c'est sûr, je dois en avoir. Mais alors où? Après, c'est vrai que peut-être, parce que c'est pas sûr. Parce que j'utilise pas tellement les stickers. Donc du coup, je ne sais pas si, si j'en ai forcément acheté. Ça se trouve, j'en ai vu, mais je ne les ai pas forcément pris. Parce qu'à chaque fois, ben, du coup. Je sais pas comment les utiliser, donc. Mais après, il faut des stickers ou des choses avec, vous voyez, un petit, un peu rectangulaire, un peu carré, etc., etc. Alors là, je vais attendre que celui-là il sèche, et en fait, on va commencer à monter notre carte. Donc, je pense que ma base de 11 est pas mal, et après, je couperai en fonction de ce que j'ai besoin. Hop. Donc là, vous mettez tout simplement vos petits dice cuts ou vos stickers que vous avez. C'est lui qui est pas. Qui est trop. C'est trop large, lui. Réussir à rafistoler comme ça. Je préfère faire au massico parce que comme je vous ai déjà dit, moi je suis pas une pro des ciseaux. Et après, ça va pas le faire. Alors, déjà, on va commencer par ça. Donc, je vais prendre ma base. Moi, en fait, ici, elle fait 11. D'accord? Et après, à la longue, enfin, à la hauteur, je verrai comment je m'arrange. Donc, vous voyez, vous allez partir comme ça. Vous allez laisser un petit matage. Donc, moi, je pars sur une base blanche. Comme ça, je trouve, enfin, pour moi, ça ressortira mieux. Et ensuite, voilà, je vais coller tout simplement en patchwork mes petits dice cuts comme ceci. Bon, après, il y en a qui seront un peu plus marqués en rouge que d'autres, mais c'est pas gênant. Voilà, c'est bon. Ma colle est revenue comme il faut. Eh ben, voilà. Donc là, j'essaye de me caler quand même, de me centrer, de que ça soit le plus. Voilà, le plus joli possible. Après, vous pouvez faire la même chose avec des tamponnages. Vous tamponnez sur des papiers, vous mattez et vous faites un petit patchwork. Après, on avait déjà fait des patchworks avec des chutes de papier aussi. C'était sympa. Voilà. Alors, je vais voir quand même où est-ce que ça tombe. Je vais me faire un petit trait pour 15 cm à peu près, que j'aille pas non plus trop bas, quoi. Après, ça va pas faire non plus. Si on fait une grande carte, ah, il y a lui. Donc après, bah, tout simplement, vous allez essayer, voilà, de faire un petit patchwork. Alors après, j'ai des ronds. Le problème, c'est que le rond. Après, vous pouvez utiliser les ronds, mais le rond, en fait, ça va pas être, comment dire, voilà, ça va pas être très très droit par rapport à ce qu'on cherche, quoi. Donc là, ben, ça va être un peu long parce qu'il va falloir coller, mater, découper et visionner où est-ce qu'on veut mettre à peu près. Voilà. Donc, c'est pour ça que la carte risque, voilà, la vidéo risque d'être longue, mais bon, après. Hein. Autant que je vous montre jusqu'au bout, moi, comment je vais faire. Même si, voilà, c'est pas un tuto de fou, hein, c'est pas un tuto de folie. Mais au moins, vous voyez comment moi je procède par rapport à ça. Après, voilà, ça vous fait utiliser aussi vos petites chutes de papier pour faire le matage. Ça peut être pas mal aussi. Donc, ça peut être bien.
Donc là, je vais en mettre un ici, je vais en mettre un là. Après, j'aurais bien aimé mettre un rond, mais après, je ne sais pas ce que ça pourrait donner si je mets un rond comparé à... Après, j'en ai un autre ici en long. Il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, je pense que je pense que je vais continuer à coller et à découper tous mes petits carrés et en fait et après je reviens. Parce que bon, ça sert à rien que vous me regardez coller, etc., etc. Allez, je reviens. Bon, voilà, j'ai réussi. Avec du mal, mais j'ai réussi. Alors, du coup, j'ai commencé à placer, vous voyez, donc moi, ça va se finir un petit peu comme ça. J'ai vraiment pas un bon coup de ciseau, franchement. C'est pour ça que j'étais admirative l'autre fois devant Françoise qui a un coup de ciseau de dingue. On dirait que c'était fait avec un dice tellement que c'était bien découpé. Bref, donc moi ça va se disposer en fait comme ceci. Pour l'instant, ouais, j'avoue, ça n'a pas trop de 1. Donc, hop, je baisse tout et je vais coller si ma colle veut bien. Parce que là, j'ai, je sais pas ce qu'elle... Je sais pas, elle coule trop vite. Je sais pas. Il y aura peut-être une bulle d'air à l'intérieur. Alors, donc là, bah après, vous, comme je vous ai dit, hein, vous faites un petit patchwork, vous collez en fait suivant les images que vous avez. C'est dommage, j'aurais bien aimé essayer avec un... Après, si c'est pas au millimètre près, au millimètre près, voilà, la même distance, c'est pas non plus, c'est pas très grave, hein. Je pense pas que la personne qui reçoit la carte calcule les millimètres près, quoi. Après, ça se voit pas, ou alors faut vraiment avoir l'œil dessus ou chercher la petite bête. Donc là, vous allez, hop, coller vos petits. Papier comme ceci, tout simplement. Moi, je les dispose comme ça. Tac. Le grain va aller ici. J'en ai une à ronfler, je vous dis pas. Enfin, vous devez sûrement l'entendre là. Et c'est pas ce qu'elle a fait encore aujourd'hui. Et il fait froid, elle sort pas. Ça fait froid aux papattes, on ne sort pas. Donc vous voyez l'avantage collage des carrés, des rectangles, donc il y a tout qui s'aligne correctement. Donc ça le fait bien. Putain, Ishka. Pas toute seule, Lidou. Voilà. Donc là, vous collez. Vous voyez, c'est pas un truc de fou. Mais je trouve que ça fait son effet. Et voilà, si vous avez des trucs qui traînent chez vous, au moins, ben voilà, vous pouvez. Enfin, qui traînent. Des petits stickers, des petits. Voilà, que vous avez acheté, vous avez dit, ouais, je vais faire un truc avec. Et on ne sait jamais quoi faire avec. Et donc là, moi, c'est des die cuts. Mais voilà, si vous avez des planches de stickers, vous pouvez faire la même chose. Et je vais coller ça ici en bas. Ah, il n'est pas super bien découpé. Ah, je suis dégueu. Moi, j'aurais pas la patience de faire ce qu'elle a fait Françoise, là, c'est clair. Hop, je vais le coller en bas ici. Voilà, ça va un petit peu dépasser. Et voilà. Donc, du coup, alors ça, je vais le ranger avant de les perdre. Parce que j'en ai encore des très jolis, vous voyez, dans les tons de bleu. Là, j'ai utilisé que la partie dans les tons déjà verte et rouge. Moi, je les trouve vraiment. Super sympa ces petits die cuts là, et je pense que oui, c'est un truc au niveau de l'Angleterre. C'est un drapeau anglais dessus qu'on était en Françoise, elle a dû les prendre là-bas.
Alors, hop, hop, et j'ai lui qui est là. Hop, voilà, comme ça je les range. Déjà, hop, on va les mettre de côté. Peut-être, si ça veut bien. Donc là, votre base de cartes, une fois que vous avez fini et que vous avez ben, ce que vous voulez, vous découpez à la longueur. Alors. Vous voyez, moi je vais atterrir. Alors, si je fais 14, ouais, 14, c'est pas trop mal. Si je fais 13 et demi, ouais, 13 et demi, vous voyez, ça fait une bonne taille de carte. Hein. 13 et demi sur 11, ça fait une carte vraiment basique. Enfin, une taille de carte basique. Alors. Massico, la lame. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est un peu un pan de papier, plein de trucs. J'ai un bazar. Voilà. Donc là, une fois que j'ai nettoyé mon massico, donc là, vous voyez, ma carte, elle se présente comme ceci. Maintenant, on va lui faire un fond. On va lui faire plein de choses. Alors, est-ce qu'il me reste un fond rouge assez grand? Je ne pense pas. La dernière fois, j'avais ouais, j'avais tout coupé. Alors après, est-ce que si je fais un fond vert, qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que si on faisait un fond vert pour changer, ouais, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, par contre, là, il faut que je... Hop là. Donc, on a dit que cette carte faisait 11 sur 13,5. Donc, je vais la couper à 14. Donc, 0,5 de plus pour faire mon fond. Bêtis, bêtis, bêtis. Pas longtemps, alors. Hein? Tu mets une veste, hein? Il fait froid. Ouais. J'en étais où, du coup? Il y a qui me demande si elle peut sortir dehors. Non mais... Alors, attendez, je sais pas ce que j'ai fait avec mon massicot. J'ai un problème de... Mais non, c'est comme ça. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Alors, du coup, 14 sur... On a dit... 11 et demi, donc là ça va faire mon petit matage de fond. Voilà, on va le faire vert un petit peu pour changer. Voilà, et puis là après on va se faire la petite base de carte pour coller tout simplement. Donc là vous allez prendre un papier blanc ou ce que vous avez, enfin voilà ce que vous voulez. Après, comme je vous ai toujours dit, une carte, vous n'êtes pas obligé de faire une carte comme ça qui s'ouvre. Ouais, moi je vais la laisser comme ça d'ailleurs. Après, vous pouvez la laisser comme ça et puis écrire votre mot derrière. Hein. La carte, elle n'est pas obligée à chaque fois de s'ouvrir. Regardez les cartes postales. Les cartes postales, elles ne s'ouvrent pas. Donc, du coup, je vais coller ça sur mon fond vert. OK. Et voilà, on a notre petite carte. Alors, attendez 2 secondes. Bon, voilà. Je parlais à Elia vite fait avant qu'elle parte. Donc, je vais mettre ici, vous voyez, on a un petit espace blanc. Je vais mettre des petites perles, des demi-perles rouges et blanches. Je vais essayer de les aligner. Ça, généralement, on les met, mais ça tient jamais. Mais on va essayer de les mettre quand même. Elles sont comme moi, les perles. Elles sont pas... C'est pas droit aujourd'hui hein, chez moi. Voilà. Non, c'est toujours pas droit. Décidément. La dernière. Hop. Voilà. Donc voilà pour ma petite carte. Vous voyez, elle est quand même assez rapide à faire. Elle est simple. Hein. Mais voilà.
Après, dites-vous que si vous avez, ah, à moins que vous achetiez tous dans le même magasin, mais Action, je sais qu'ils n'en font pas, mais voilà, si vous avez des petits stickers qui traînent, ou des petits die cuts, ou des petites choses comme ça, voilà, vous pouvez créer une petite carte rapide. Enfin, rapide, oui, j'ai mis 20 minutes, après, c'est un petit peu galère à découper, etc. Mais bon, vous voyez, vous pouvez faire une petite carte sympathique qui change un petit peu, qui soit originale. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, après, comme je vous ai déjà dit, moi, tant que j'aime, voilà, c'est le principal. Mais voilà, vous pouvez faire un petit truc sympathique pour un rien, quoi. Et en même temps, ça utilise toutes vos chutes de papier que vous pouvez avoir à droite et à gauche. Et voilà, moi je trouve ça plutôt original. Donc j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes, la team, et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.